Deuxième exercice, nous allons énoncer un deuxième exercice. L'acide de 3-dihydroxybutane dioïque est connu également sous le nom d'acide tartrique. La première question, donnez la formule semi-développée de cet acide. Formule semi-développée de cet acide. Faites attention, la formule développée, mais la couche à l'entopologie. Formule semi-développée, on a l'acide 2,3-dihydroxybutane dioïque. C'est un diacide, mais tu as fait deux fonctions acides. Les indices à la fonction acide, parce qu'à la base, qu'on a un diacide, les fonctions acides, ils jouent le bouchon. Tu as deux extrémités, chaque extrémité a une fonction acide. On va la chaîne principale, il y a butane, 4 atomes de carbone. On a ici 2,3-dihydroxy, 4 atomes de carbone, et le carbone numéro 2 et 3 sont substitués par des OH. CH, OH. CH, OH. Ok? 1, 2, COH, COH. 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Les bouts de chaîne. Fonction acide, c'est un diacide. Position 2, 3, ou la 2, 3, kif, kif, maintenant, numérotation, fait le sens, ou lève le sens. Fait le sens, ou la fait le sens, c'est kif, kif, parce qu'on a les mêmes indices. On a 2, 3, 2, 3 dihydroxy, 2, 3 dihydroxy. 1, 4 dioïque, 1, 4 dioïque. Alors, bien, on a 1, 4, mais c'est de nage. Ok? On a 2 hydroxy, 2 ou 3. Donc, on a dit la formule. Semi-développé, tu as l'acide. La question numéro 2. Indiquer le nombre de stéréoisomères de configuration attendu pour cet acide. Ngoulou, stéréoisomère de configuration. Qui a stéréoisomère de configuration? Il y a deux types de stéréoisomères de configuration. Un des stéréoisomères optiques, le 4 à les carbones asymétriques, ou un des géométriques, le 4 à les molécules forment des doubles liaisons CC. Nebda géométrique, est-ce qu'on a une double liaison CC? Non, pas de double liaison CC, on a des fonctions acides, CH, CH, donc pas de stéréoisomère géométrique. Est-ce qu'on a des stéréoisomères optiques? Optique, n'a quoi, elle a des carbones asymétriques. Est-ce que la molécule a des carbones asymétriques? Chauffe, on a CH, c'est la fonction acide, mais c'est pas un carbone asymétrique, le carbone hybridé SP2. On a le carbone hybridé SP3, 4 liaisons simples. Faire la première condition. La deuxième condition, c'est qu'on dit 4 substituants différents. Est-ce que vous faites les 4 substituants différents? COH, CH, COH. Ou est-ce le substituant? Tu as fait 4 substituants différents avec le carbone. C'est un carbone asymétrique. Tu as le même travail. C'est identique. Tu as dit qu'on a 4 substituants différents. Lié à hydrogène, lié à OH, lié à acide ou lié à le fragment. Donc, tu as la molécule qui a 2 carbones asymétriques. Ou le cata. Carbone asymétrique, on dit le nombre de stéréoisomères est donné par la relation 2 puissance n avec n ou a le nombre de carbones asymétriques. On a quand dit application, nombre de carbones asymétriques c'est 2, d'une 2 puissance 2 égale à 4. Mais faites attention, quand on a deux carbones adjacents, on a la possibilité d'avoir une forme méso. Peut-être qu'on a la forme méso, qui connaît les deux carbones asymétriques qui ont les mêmes substituants qu'on a adjacent à côté binôme une seule liaison et qu'on a les mêmes substituants qui m'a 2 ou 3 carbone 2 ou carbone 3 carbone 2 عندها OH هذا عندها OH هذا عندها CH هذا تيت عندها CH هذا عندها hydrogène هذا عندها hydrogène هذا عندها هذا le fragment هذا تيت عندها هذا le fragment quatre substituants qui m'a galek identique معناتهم اللي عندهم كيما نقولوا les mêmes substituants هنايا حكوا على une forme méso. Donc, on a la possibilité d'une forme méso. Maintenant, le nombre de stéréoisomères est couche 4. C'est-à-dire qu'on 4 moins 1 est 3. Parce que quand une forme méso, on a deux stéréoisomères identiques. Il a fait les 4, quand une zouche identique. Zouche identique, mais il y a deux 4. Zouche identique. Maintenant, 1, 2 plus 3. Ça fait 3 stéréoisomères. Forme, entre parenthèses, on dit une forme méso. Donc, on a quoi lire. Ok?
bon. La question 3, donner leur représentation de cram en précisant la configuration absolue des atomes de carbone asymétrique. C'est le cram qui les trois stéréoisomères. Qu'est-ce que cram qui va dire? Cram, vous n'avez pas dit cram, dire nombre d'atomes de carbone en zigzag, puis 4 atomes de carbone 1, 2, 3 et 4. Bouchan, CH. On a deux carbones asymétriques, un des liaisons en avant, liaison en arrière. Liaison en avant, liaison en arrière. Ok? J'ai un des comme substituant, radic on H ou OH. Gouna, le H toujours on dira en arrière, ou le OH en avant. Le quatrième, le substituant, avec la lecture, le classement CIP, Genisella. Ok? La configuration Genisella. Quatrième là en arrière. On a la même chose, OH en avant. H en arrière. Hadi, une première fois, moi, galère semblait donner leur représentation de cram en précisant la configuration absolue des atomes de carbone asymétrique. Nous avons dit que nous avons la configuration, mais nous avons les deux autres. Nous avons dit que nous avons 2, carbone 2, et 3. Ok? Nous avons dit l'axe, bien sûr. Nous avons dit C2, carbone numéro 2. Nous avons dit lié à un COH. Nous avons dit lié à un OH. Nous avons dit lié à un C. C3 هذا راه لي مع C وهذاك لو C راه لي او H H COH OK ou bien sûr lié مع un hydrogène. Classement 6 8 6 1 numéro 1 شكون هذا OH numéro 2 ما بين هاد لي دو كاربون numéro 4 هذا دونك بقات ما بين 2 3 شكون 2 شكون 3 هل كربون تاع CH كان ديفلوبي لي دوبليزون اكسجين اون سامبليزون OH اوكي نكومبار هل كربون لي مع اكسجين هذا لي مع اكسجين اوكي ايغاليتي هل كربون لي مع ان كربون هذا لي مع من مع اكسجين directement هذا numéro 2 ou هذا numéro 3 قاعد معناتها في الميم رون ما نروحش للثوازيام رون معناتها كومباري ليزون تاع الكربون مع ليزون تاع الكربون هذا اكسجين اكسجين هذا اكسجين هذا مع من نشوف كاين الهيدروجين وكاين الكربون كربون عنده زاد بلو كرون كربون اوكي كربون 6 اكسجين 8 دونك هذا numéro 2 حبست هنا ما نكملش لا كومباريزون سي بون لقيت 2 لقيت 3 ونكلاسيهم عندي سي دو ها ولا في الوسط ما عملها ليا منا في هذا لو كوتي شكون هذا سي واش سي واش شحال نيميرو سي واش سي نيميرو 2 سيغ سا غوش شا عنده عنده هذا 3 ولتحت شا عنده اش خلينا الكاتريام ما نحوسوش عليه هذا هذا ما نحوسوش عليه الهيدروجين قلنا توجور يجي اون اريان نشوف نجو لاكس تاع La liaison CH. Maintenant, H, il va être en arrière-plan, mais je vois. Je vois le 1 ou 2, 3. Ou 3, il vient de tête. OH, il vient de tête. En position 1. On a la rotation. 1, 2, 3. J'ai une configuration. C'est le sens, des aiguilles de, le sens inverse à les aiguilles d'une montre. On a HAC CS, HAC CR. On a ça, c'est configuration 2S. Okay? Carbone, position 2S. On a le même travail pour le carbone numéro 3. C'est les mêmes substituants. Rélangue la liste de un des COH, un des OH, un des avec le C lié à OH, H ou COH, ou un des un hydrogène. Le même classement 2, 1, 3 et 4. C3, je vais aller chauffer C3. C3. Sur ma gauche, il y a une COH. COH, c'est numéro 2. Okay? Sur ma droite, il y a une 3. Il fait le COH, il fait le H, il fait le COH. 3. Vous faites la position vers le haut. Il y a une 1. Okay? Vers le haut. Donc, la rotation 1, 2, 3. C'est une configuration 3, S.
Donc, il y a la justification qui dit qu'en précisant les configurations absolues à carbone asymétrique, mais d'habitude, comme dit le classement, dit la rotation, parce que des fois, la justification a d'être connotée. Donc, il y a la molécule, il y a un couple, 2s, 3s. Ok. Il y a les deux autres. On a la molécule هذه CH C2S3S باش نرسم لا مولكول خصني نبلاصي لا دوزيام مولكول خصني نبلاصي ميغوار بلاصي ميغوار وندير ليماج تاع هذه قلنا نعاود نرسم لا ميم مولكول هذا 2 وهذا 3 نعاود نرسم لا ميم مولكول 2 3 inverser ma bille qu'on en avant en arrière. Ok, à date 2 toujours à date 3 les cannes en avant ou les en arrière ou les cannes en arrière ou les en avant maternelle h ou les en avant ou h en arrière n'a h en avant ou h en arrière on a formé le couple directement 2r 3r. Ok, on a trois maisons, on a trois stéréoisomères. Généralement, c'est la forme maison, elle a le couple RS-SR. Mais elle a le couple SS-SR. Hadou sont la relation binatome, sont des énantiomères. Ce n'est pas demandé, elle me demander la question, je pense, 4. Donc, on a nous lire. Allez, répondez à la relation binatome, image. Images non superposables. Hadou sont des énantiomères. Le couple SSRR sont des énantiomères. Andi, gunna les radicaux nous forment le forme méso, on a les molécules identiques, on a le SRRS. Hna bch narsam les deux autres, les molécules radicaux nous identiques, gunna garder par exemple 2 kimara, OH en avant, hadi, garder OH 2 kimara, on inverse 3. روح الاش نجيبه اون اريير اون افون والاو اش اون اريير هنا تولي 2 خليته كيما راه معناتها يقعد 2 اس 3 انفرسيت معناتها يولي 3 زير. اوكي هذا الثالثيام وهنايا ليماج تاع هذا اش غادي تكون اس ار ار اس انفرسي اللي كان اس يولي ار واللي كان ار يولي اس واش هنا H en avant OH en arrière هذه 2 هنا OH H. ok هذا c'est un couple 2R 3S وهذا غادي يكونوا identique image superposable معناتها هذه هي هذه. ok باش تشوفها هذا لاكس نخرج من الورقه وندير لا روتاسيون 180 fait le sens. Hada 2 est là, placé 3, ou 3 est placé 2. Maintenant, qui dirait la rotation de la molécule, flux plante à la feuille, flux plante à la feuille, mais je suis hors du plan. Flux plante à la feuille, 2 radis remplacé 2, 3 est remplacé 2, ou 2 est remplacé 3. Ok, maintenant 2 est remplacé 3. Ou les fait de la forme, ou Hada qui dit Hanaya, ou les fait de la forme. Bien sûr, COH est remplacé COH, ou COH est remplacé COH. Hadou identique. Ok? Les deux molécules sont identiques. Nous avons les questions. Hanara n'est pas simple. Donc, Hadi, il y a Hadi. Maintenant, trois stéréoisomères. Un, deux, une seule forme. Il y a Hadi. Kif, kif, identique. Forme, une goal forme. C'est une forme méso. La molécule fait des carbones asymétriques. Ça va être superposable à son image. Il y a un plan de symétrie. La molécule fait un plan de symétrie. Alors, pour la question. Galé, représenter un seul stéréoisomère de votre choix en fichier. Maintenant, on va mettre les trois molécules. On dira en fichier. Ok? On dira fichier. On va dire 2s, 3s, on dira Fischer. On a dit 2, on a dit 3,
en avant, en arrière, en avant, en arrière. Bien sûr, numéro de rotation, هذا 1 ou هذا 4. Bon, Fischer. Qui est Fischer? Goulou, chaîne carbonée plus longue, le plus oxydée, le haut de chaîne, moins oxydée, le bas de chaîne. Hana, chaîne carbonée la plus longue, il y a 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4. Plus oxydée entre deux fonctions acides, la cache va être plus oxydée. Kif kif, maintenant, un degré d'oxydation, un degré de carbone, un degré d'oxydation, même degré d'oxydation, donc la cache un groupement ou une fonction plus oxydée. Maintenant, le choix 1, 2, 3, 4. Chagouna, Hadi. Le 1, 4, on dira en position chaîne carbonée plus longue en position verticale. Okay? Les intersections ou les lignes horizontales, huma, dans le cas, c'est les carbones asymétriques. Chaque un des carbones asymétriques entre les deux COH, le 1 ou le 4, un des deux carbones asymétriques, deux ou trois, deux intersections. Ok, dans deux carbones asymétriques. Là, nous allons voir la position. Je vais aller à gauche, je vais aller à droite. L'IG à gauche ou à droite, on met les substituants hors du plan. Le OH ou le OH. Le OH ou le H. OH ou le H. OK ? Hnaya, Khadnji directement entre les substituants hors du plan. Bien sûr, de la façon. Khas le plus oxydé. IG flow chain, on met chib de la façon. OK ? Khas le plus oxydé, IG flow chain. OK, هذا هو plus oxydé. Il nous faut maintenant chauffer plus oxydé, faire de la pollution. OK. On nous faut le plante à la fait. Le plante à la fait, on cherche que l'air خارج من الورقه ولا داخل من الورقه. OH نقولوا هذه c'est ma droite, راهي داخله في الورقه. هذه c'est ma gauche, راهي خارجه من الورقه. راني في le plante à la fait. معناتها ma droite راهي داخله في الورقه. غادي تجي مع من هي داخله في الورقه. Ma droite, هذه ma droite وهذه ma gauche. راني تحت الورقه. Le plan à ma droite et ma gauche. Ma droite, la gym à l'H. Ma gauche, gym à l'OH. Kharjam l'ORQA. Nous avons le même travail pour cet atome de carbone asymétrique qui entre les substituants hors du plan. Ok? Nous avons fait le plan à la feuille. Nous avons fait le plan à la feuille. C'est ma droite. Quoi, c'est ma droite? Ou hadi c'est ma gauche. OK? Hnaya, ki nougef hnaya. Ma droite kharja le ourqa c'est OH. Rani wagef le plan ta l'ourqa, hadi ykhrej le OH sur ma droite ou le H yrouh li sur ma gauche. Ou hna H. OK? J'obtiens hadi la forme Fischer 2S 3S. Sinon kayna une autre méthode, charrouh ndir. Hada njibeh 3 njibeh vers le bas. Hadi c'est une décalé, qui n'a qu'au Newman en zigzag, on va voir l'éclipse. Maintenant, qui a la rotation, trois n'a pas le tête. Ok, n'a pas le tête. Maintenant, vous avez les deux, trois qui m'a raqué. Ou le quatre qui est là, le fog. Vous avez mal un. Maintenant, éclipse, un mal quatre. Ok, quand je fais, quand je fais là, bien sûr, Newman. Maintenant, incliner carbone numéro 3 vers le bas. OK. Et vous les mettre 2 ou 3, le 4 est là. Ou on a qui incliner un carbone, qui incliner un carbone avec inversion. Inversion de configuration. Maintenant, les can en avant, les en arrière, les can en arrière ou les en avant. On a le 2, you got Kimara OH en avant, H en arrière. Ça qui vous incliner 3 vers le bas. On a H you will les en avant ou H you will les OH ou les en arrière. On a COH, COH. Ou bien sûr, on a un seul angle de vue. Maintenant, j'ai l'observateur placé via Wahda. Même sens. Mais c'est qui maintenant, j'ai entre les substituants hors du plan. OK? Quand il y a rotation, nous avons qui marque. On a là. Je connais d'accord le ورقة. Le H. Je connais la charge de l'ORQ. OH. Je connais d'accord le ورقة. غادي صح نديرها كيما هكا باش تفهموها سي واش هاولا سي واش هكا هنا 2 وهنا 3 شكون اللي راه خارج من الورقه هذا هو هادي سي ما غوش راني واقف وهادي سي ما دروات دونك دروات
راهي داخله في الورقه سي اش مع غوش راهي خارجه من الورقه سي او اش. هنا ميم شوز، هنا العكس تعكست، او اش داخل في الورقه راني واقف هنا سي ما دووات، والاش خارج من الورقه سي ما غوش. هذا او اش اش، وهذه هي هذه. اوكي كون نقلبها هاك جوبتيان لا ميم. دونك لي دو ميثود يعطوكم لا ميم ريبريزونطاسيون دو فيشر. زيدو نروحو نشوفو لا كيسيون 4. Donner la relation de stéréoisomérie mais bien les stéréoisomères d'être les relations gunnahadou sont des énantiomères image non superposable hadou identique formés ou mqat la relation bien sûr hadou une seule forme hadi une seule forme mais bien hada ou hada ou hada ou hada hna gunna inversion de configuration SSRR c'est des énantiomères. Exception, la forme méso. Khalina fait le cas de la forme méso, inversion, ça c'est une forme méso parce que la molécule possède un plan de symétrie. Sinon, quand on a le couple SS, SR, on a une inversion. Donc ce sont des diastéréoisomères. Hadou, tent, diastéréoisomères. On a inversion. RR, ça va être inversion un seul stéréocentre. واحد قاعد فيكس معناتها الار قاعد ار والار ولا اس اون سول انفيرسيون معناتها سون دي ديا كي ما تكونش انفيرسيون تاع كاع لي كاربون اسيمتريك سون دي ديا ستيريو ايزومير دونك اون انتيومير ديا ستيريو ايزومير ديا ستيريو ايزومير تخوا ريلاسيون عندي. لا كيسيون 5 است كو سي ستيريو ايزومير اون دي بروبريتي فيزيكو كيميك ايدونتيك است كو هاد لي ستيريو ايزومير عندهم دي بروبريتي فيزيكو كيميك ايدونتيك اون انتيومير عند دي دو ريلاسيون وعندي ديا ستيريو ايزومير بيان سور هادو ايدونتيك ميم بروبريتي فيزيكو كيميك هادو راهم ايدونتيك اوكي كيف كيف سي لا ميم موليكول انا نقول دوكا نحكي على هادو اسكو هادي مع هادي ولا هادي مع هادي ولا هادي مع هادي عندهم لي ميم بروبريتي نبدا بانونتيومير كي نقولوا انونتيومير نحكي على دو موليكول بوسيد ميم propriétés physico-chimiques. Ok? Les enantiomères ont les mêmes propriétés physico-chimiques. Il n'y a que diastéréoisomères, pas les mêmes, pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes propriétés physico chimique. Ok, énantiomère, même propriété, diastéréoisomère, pas les mêmes propriétés. Allez, la question 5. Bon, la dernière question, si c'est le cas, comment peut-on différencier entre Manta et la cano les mêmes propriétés physico-chimiques et maintenant les deux molécules énantiomères qui font différencier une molécule à une autre. Il y a les mêmes propriétés. Une propriété physico-chimique, c'est la température de fusion, la température d'ébullition, la solubilité, qui met la molécule, qui a la température de fusion, qui a 50, qui a 40. Solubilité, il est soluble à 5 grammes par litre, il est soluble à 10 grammes par litre. Donc, il y a une différence dans les propriétés physico-chimiques. Température de fusion, pKa, température de fusion, solubilité, okay? Point d'ébullition. Donc, les mêmes propriétés, les diastéréoisomères ont les mêmes propriétés. Mais les énantiomères ont les mêmes propriétés. Le couple d'énantiomères ont les mêmes propriétés, température de fusion, ébullition, solubilité, pKa, donc ont les mêmes grandeur. Ou à Chagali, comment peut-on différencier entre eux? Les molécules, les ont les mêmes propriétés. Qui fait différencier entre eux et eux? Il y a une seule différence. Il y a le signe pouvoir rotatoire.
OK. Single signe de pouvoir rotatoire, le alpha, la capacité de divier le plante à la lumière polarisée. Le pouvoir rotatoire spécifique de la molécule, le couple S-S, radicone, moins le alpha de la molécule R-R. SS, RR. Maintenant, il y a une valeur de pouvoir rotatoire spécifique, plus 20, on va dire moins 20. Et le signe est le il y a moins 20, on va dire plus 20. Maintenant, on va dire moins. Mais on va dire que l'évogire, on va dire l'exrogire. Maintenant, quand le alpha est inférieur à 0, on va la molécule et l'évogire. Il y a quand le alpha supérieur à 0, la molécule est allée à dextrogire. Maintenant, aucune relation entre la configuration absolue de les carbones symétriques et le signe de le pouvoir rotatoire. Maintenant, machine goulou SS radicone pouvoir positif, ok, ou toujours le RR pouvoir négatif, ok, aucune relation. Le pouvoir rotatoire spécifique, c'est une grandeur qui est expérimentale, mais il y a une relation de la configuration absolue avec les carbones asymétriques. Des fois, on dit par exemple, on dit que moins 20, on dit que plus 20. Quand on a un autre couple, on dit peut-être que c'est plus 30 ou moins 30. Ok? Maintenant, plus et moins, on dit que c'est la configuration absolue avec les carbones asymétriques. Maintenant, diastéréosomère, maintenant, c'est les mêmes propriétés physico-chimiques. Énantiomère a les mêmes propriétés physico-chimiques. Une seule différence entre les deux, c'est le signe du pouvoir rotatoire. Ok? Spécifique, bien sûr.